Good afternoon, church. Bonsoir, église. Good afternoon. Bonsoir, chère église. I welcome you all in the name of Jesus. Je vous accueille tous dans le nom de Jésus. We are Divine Grace Gathering. We gather together again this afternoon to praise God. Nous sommes Divine Grace Gathering et nous sommes ici ensemble pour louer le Seigneur. I will be your host this afternoon. Alors je vais conduire le culte cet après-midi. And I welcome you all in the name of Jesus. Et je vous accueille tous dans le nom de Jésus. So we have a wonderful service again today. Alors nous avons un merveilleux culte prévu aujourd'hui. We praise and worship together as one body. Adorer et louer ensemble en un seul corps. And we will hear the word of God. Et ensuite, on va écouter la parole de Dieu. And spend some time to greet each other, amen. Alors également, veuillez prendre le temps de vous saluer, s'il vous plaît. It's been a week since we last seen each other, but it's good to know what we've done during the week, amen. On ne s'est pas vu depuis la semaine passée, donc c'est le moment de se rassembler. And so, if you can greet your neighbor. Alors si vous pouvez saluer votre voisin. Tell him how you're doing. I love you. You're looking good. God bless you. I missed you. How have you been? Demandez-lui comment elle a passé sa semaine. And then the children will also have their service. Et également les enfants auront l'école du dimanche. They will praise with us together, but then they would gather together for their minute for their service as well. Ils vont adorer avec nous et ensuite ils seront conduits à l'école du dimanche. So service will start shortly, and I God bless you. Le culte va commencer sous peu et Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On va se lever pour commencer la prière. Let's rise up together to start praying. Est-ce que tout le monde est dans la joie cet après-midi? Is everyone joyful this afternoon? J'aimerais vous rappeler quelque chose. I'd like to remind you something. Et moi. And me. Et vous. And yourself. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. We are here to worship the Lord. Nous sommes ici pour élever son nom. We are here to lift up his name. Voilà pourquoi. That's why. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. I'd like to tell someone this afternoon. Dans toute la foule qui touchait Jésus, in the whole crowd that was touching Jesus, il n'y avait qu'une seule personne was only one person qui a pu avoir accès that was able to have access à sa guérison. To their healing. Il n'y avait qu'une seule personne there was only one person qui a pu tirer that was able to draw une puissance power de Jésus. From Jesus. Parce que cette personne-là person l'a touché. Touched him. Mais pas de la même manière que tout le monde. But not in the same way as everyone. Aujourd'hui, today, j'aimerais que tu touches
tout le monde. But I wouldn't want you to touch him just like everyone else. J'aimerais que tu le touches de manière à ce qu'il dise qu'une puissance a quitté. Touch him in the way that he will say a power has left me. J'aimerais que tu le touches de manière touch him in the way à ce que ta foi that your faith va tirer une puissance de lui. Will draw power from him. J'aimerais que tu te concentres à prier. I would like you to concentrate on prayer. J'aimerais que tu te concentres dans sa présence. I would like you to focus on his presence. Parce qu'il est là. Because he's here. Il est là. He is here. Il est là. He is here. Ne sois pas tout le monde dans la foule. Don't be everyone in the crowd. Sois la personne qui va toucher be the person that will touch et qui va tirer and that will draw une puissance de lui. A power from him. Toi parmi les vrais adorateurs que le Père recherche cet après-midi. Be among the true worshipers that the Lord is looking for this afternoon. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu adores le Seigneur. Lift up your voice and worship the Lord. Dis au Seigneur. Tell the Lord. Depuis que l'année a commencé, since the year started, jusqu'à ce qu'elle est arrivée à sa fin, until now, je n'ai pas trouvé de Dieu comme toi. I haven't found a God like you. Dis au Seigneur, tell the Lord, même si mon problème n'a pas eu de solution, my problem didn't find a solution. Mais je sais une chose, I know one thing, que la nature de mon problème n'a pas changé ta nature à toi, Jésus. My problem didn't change your nature, Jesus. Parce qu'il est toujours sur son trône. Because he's still on his throne. Élevons la voix et adorons le Seigneur. Let's lift up our voice and worship the Lord. Seigneur, nous t'adorons cet après-midi parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce qu'il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Nous sommes venus ici te rencontrer. Nous sommes venus ici te toucher. Nous sommes venus ici te voir. Nous sommes venus ici parce que c'est un rendez-vous que nous avons avec toi. Et nous croyons fortement que toi, tu es là. Nous croyons fortement que tu es parmi nous. Nous croyons fortement que ta présence remplit ce lieu. Nous croyons fortement que aujourd'hui, en cet instant ici, tu es là. Tu as déjà ouvert le ciel. C'est vrai que le ciel est ouvert en ce lieu, mais tu attends les vrais adorateurs. Voilà pourquoi, à cœur ouvert, à esprit ouvert, nous venons t'adorer. Nous voulons dire que tu es Dieu, que tu es Dieu. Nous voulons dire pour cet après-midi, reçois l'honneur, reçois la gloire. Il n'y a point de Dieu comme toi. Si nous sommes ici pour t'élever, c'est parce que nous reconnaissons ton trône. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Parce que nous croyons que tu es vrai. Parce que nous croyons que tu es Dieu. Parce que nous croyons que tu es puissant. Parce que nous croyons qu'il n'y a aucune chose qui peut se lever contre toi. Nous croyons qu'il n'y a aucun problème qui peut défier ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es monté à la croix pour nous, que tu as racheté nos vies et que tu nous as libérés. Nous croyons, Seigneur, que l'œuvre de la croix est vraie, que l'œuvre de la croix est nôtre. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'élever. Voilà pourquoi nous sommes là pour proclamer le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Nous sommes là pour t'élever, élever ton trône en ces lieux. Jésus, nous sommes là pour t'appeler, nous sommes là pour t'invoquer, nous sommes là pour reconnaître que tu es Dieu. Tu es Dieu en ces lieux. Divine Grace connaît que tu es Dieu. Jésus. Divine Grace reconnaît ta puissance. Divine Grace reconnaît ta grandeur. Divine Grace reconnaît ta parole. Nous croyons, Seigneur, fermement que tu es en ces lieux. Sois élevé, sois magnifié. Sois élevé, sois adoré. Sois élevé, notre Père. Sois élevé, notre rémunérateur. Sois élevé, Jéhovah Shammah. Sois élevé, toi qui es en ces lieux comme Emmanuel. Nous t'élevons en ces lieux, Jésus. Nous t'élevons, Saint-Esprit. Nous t'élevons en ces lieux. Rebrochate, rebrassa. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses invoquer le Saint-Esprit. Beloved, I would like you to
call on the Holy Spirit. J'aimerais que tu invoques le Saint-Esprit. I would like you to call on the Holy Spirit. Je viens parler à quelqu'un. I'm coming to speak to someone. Quelqu'un qui a longtemps passé toute cette année ici arrive au mois de décembre, n'a encore rien touché de Dieu. Someone who spent the whole year with the Lord and that is coming to touch the Lord. Je viens parler à quelqu'un cet après-midi. I'm coming to speak to someone this afternoon. Quelqu'un qui voulait se fatiguer parce qu'il n'a pas encore vu la promesse de l'Éternel. Someone who was tired because they haven't seen the promise of the Lord. Je viens te dire quelque chose. Coming to tell you something. Même si Samson avait péché, even if Samson had sinned, mais je me rappelle ce jour-là, I remember that the, quand on that voulait day, se moquer de lui, when they were mocking him, il s'est approché des poteaux. He came closer, il a dit, Seigneur, and he told the Lord, s'il te plaît, please, Lord, descends encore cette force. Come. Bring that force. Je veux te dire cette fois-ci, I want to tell you this time, l'année n'est pas encore finie. The year is not over. Invoque le Saint-Esprit, call on the Holy qui Spirit. Te remplisse. May he fill you. Parce que ceux qui se moquent de toi, because the people that are mocking you, cette année ne finira pas. Ils vont s'étonner de ce que Dieu fera de toi. By what God will do. Demande au Seigneur de te remplir. Ask the Lord to fill you up. Demande au Seigneur de te remplir. Ask the Lord to fill you up. Prions le Seigneur. Let's pray to the Lord. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Dans ce moment, nous t'invitons. Nous t'invitons afin que tu puisses impacter ce moment. Afin que tu puisses remplir tout un chacun. Nous ne voulons pas être dirigés par nous-mêmes. Mais nous voulons être dirigés par toi, Seigneur. Nous voulons que ce culte soit conduit par toi. Nous voulons que ce culte soit dirigé par toi. Viens et prends contrôle. Viens et prends contrôle. Non seulement de ce culte, mais remplis tout un chacun de nous. Remplis tout un chacun de nous. Remplis tout un chacun de nous. Aujourd'hui, nous voulons toucher la robe de Christ. Nous voulons toucher. Nous voulons toucher. Et de lui, nous voulons tirer quelque chose. Que tout un chacun qui est venu avec une attente puisse tirer quelque chose, puisse recevoir quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus, nous te recommandons ce culte, Père. Viens et prends contrôle. Prends le contrôle de ce culte. Take control of this service. Prends le contrôle de ce culte. Take control of this service. Prends le contrôle de ce culte. Take control of this service. Prends le contrôle de ce culte. Take control of this service. Prends le contrôle de ce culte. Take control of this service. Bien-aimé, je t'invite à acclamer le Seigneur. Beloved, I invite you to clap for the Lord. J'aimerais que tu puisses l'acclamer. Clap for the Lord. Acclame le Seigneur. Clap for the Lord. Acclame pour le roi. Clap for the King of Kings. Acclame pour le Seigneur de Seigneurs. Clap for the Lord of Lords. Acclame le roi de rois. Clap for the King of Kings. De même que tu acclames, j'aimerais que tu puisses crier, faire des cris de joie. As you are clapping, I would also like you to shout for him. J'aimerais que tu puisses faire des cris de joie. Shout for him. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Beloved, I would like you to clap again for the Lord. Quelle est la raison pour laquelle toi et moi sommes ce lieu? There is a reason why you and I are in this place. Je disais qu'il est la raison pour laquelle toi et moi sommes en ce lieu. I was saying he is the reason why we are in this place. En acclamant le Seigneur. Let's lift him up. Est-ce que nous pouvons nous lever en acclamant ce Dieu? Il est digne de louange, il est digne d'adoration. And clap for him. He's worthy of our praise and worship. Ce dimanche est très particulier. This Sunday is very special. Et la particularité de ce dimanche, it is special because c'est que ce que tu as eu à demander à Dieu pendant janvier, février, mars, during all the months, durant toute l'année, during the whole year, aujourd'hui il se décide de te le donner. Today he wants ce que tu n'as pas encore reçu de la part de Dieu, from God, aujourd'hui je te promets que tu vas le recevoir. Today I promise you are going to receive parce que cet après-midi est très particulier. So this afternoon is really particular. Parce que Dieu est en ces lieux. Because God prêt is in à écouter place. Ta prière. Alors bien-aimé, lève ta voix et adore-le. So I would like you to get ready to worship him. Alléluia. Tu es en ce lieu, Seigneur.
Reign, Jesus, reign in this place. Reign, Lord Jesus, reign. Hallelujah. Jesus, reign. Come and reign.
more condemnation. There's no more condemnation. He has paid the price. Hallelujah, and Hosanna to his name. Because it is not about what we see, but it's about what he has said. It is not about our situation, but it's about what he has already done. He is faithful. He is faithful in all of his doing. Hallelujah, he has conquered. 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 He has conquered all for me. Oh, we have conquered. He has 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 conquered. Il est digne de tes louanges. Il est digne de tes acclamations. Il est digne de tes louanges ce soir. Masha rababa zeta rababa shaya. Rababa baba zika rababa. Madere bebebebe sata. Rababa sata. La mort a perdu son pouvoir, Jésus, parce que tu as vaincu la mort, ô Jésus. Tu as vaincu la mort à la croix. Et oh mort, aujourd'hui, où est ton aiguillon? Où est ta femme péchée? Le Seigneur t'a vaincu à la croix. Marabasata, rababasata, eramamamamasata, erabababababasata, erebebebebebasata, rababasaya. Manerebesata. Et nous voulons plus de toi, Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux plus de toi. J'ai cherché des réponses à mes questions. J'ai cherché la solution à mes problèmes. J'ai essayé partout. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai trop cherché. Mais maintenant, je veux de toi. Plus de toi dans ma vie. Oh, alléluia. Mon âme, mon power, more of you in my life, more love, more power, more of you in my life, sing more love, more.
Je veux t'acclamer, Seigneur.
Seigneur, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Seigneur, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Seigneur, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Seigneur, je veux t'exalter. Je veux t'exalter. Seigneur, je veux t'exalter. Je veux t'exalter. Seigneur, je veux t'exalter. Je veux t'exalter. Can we all stand on our feet and let's clap unto the Lord. It's not about me, it's about God. Don't look at me, but look at God. Let me ask everybody to stand on your feet. God is worthy to be praised. God is worthy to be glorified. Amen. Amen. Church, don't look at your problem. Église, ne regardez pas vos problèmes. Don't look at your circumstance. Ne regardez pas vos circonstances. God is faithful. Dieu est fidèle. If he's given you a word, si vous a donné une parole, he's going to accomplish it. Il va l'accomplir. I don't know what we said to you in January. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit en janvier. And to all the months we are here in December. Et nous sommes aujourd'hui en décembre. But I want to encourage you. Mais j'aimerais vous encourager. Know that God is faithful. Sachez que Dieu est fidèle. He will heal those who are sick. Il va guérir les malades. He will provide those who are in need. Il va pourvoir pour ceux qui He will make besoin. A way when there seems to be no way. Il va tracer un chemin là où on a l'impression qu'il y a this pas de Sunday chemin. Is a very particular Sunday. Ce dimanche est un dimanche très spécial. Don't miss out on God's blessing because you are concerned about your problem. Ne manquez pas les bénédictions de Dieu but put God above your problem. Mettez Dieu au-dessus de vos problèmes. Because he is God. Parce qu'il est Dieu. So we clap unto the King Est-ce of Kings. Clapper, the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir, Église. God is here, beloved. Dieu est ici, bien-aimé. And as we say that we are continue to discover more about this wonderful God that Alors we serve. Continuons à découvrir ce merveilleux Dieu que nous servons. And we are reading Jeremiah still. Nous sommes toujours dans le livre de Jérémie. And today's reading is from chapter 17, 18, 19, and 20. Et nous lisons les chapitres 17, 18, 19 et 20. I encourage you to read. Jeremiah is a great prophet. Je vous encourage à lire. Jérémie est un très grand prophète. Amen. Amen. We still have our Christmas Eve service. Nous avons toujours notre culte de la veille de Noël. The kids will bless us tremendously. Les enfants vont vraiment nous bénir. I know that it is on the 24th of December. C'est le 24 décembre. From 2 to 3:45. De 14h à 15h45. Some of us may be working. Certains pourraient être en train de travailler. Make an effort, come and support the children, amen. Mais veuillez faire un effort pour venir soutenir les enfants. It will be a wonderful time in the presence of God. Ça va passer un merveilleux temps dans la présence de Dieu. Our New Year celebration is coming up on the 31st. Et également notre célébration pour la nouvelle année s'en vient pour le 31. I'm excited because I want to see some new things into the new year. Amen. Je suis vraiment heureuse parce que je vais voir de nouvelles choses dans la nouvelle année. Amen. Put it behind 2018, moving forward to 2019. Alors on met 2018 derrière et on avance dans 2019. I know God will do amazing things. Je sais que Dieu va faire de merveilleuses choses. So we will be at 7089 Tobram Road, Mississauga. Alors l'adresse est 7089 Tobram Road. From 10 p.m. to 3 a.m. De 22h à 3h du matin. We will celebrate, we will partake together. Nous allons fêter ensemble et participer ensemble à la fête. And God is going to visit us. Et Dieu va nous visiter. And please see Maman Nathalie for more details. Et veuillez vous rapprocher de Maman Nathalie pour Maman Nathalie que just wave her hand where elle, she elle is. Elle lève la main, donc veuillez vous rapprocher d'elle. Amen. Amen. And so we have something else that is happening that is amazing. Et nous avons également quelque chose de très spécial que nous faisons en ce moment. Divine Grace Gathering has been here for how many months? 10 months. We are getting close to a 1 year anniversary. Nous approchons de nos un an. Oh, church, 1 year. Un an.
If I know you today, you know me. It's because God put us together. Amen. Si je vous connais aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a mis ensemble. Amen. And we want to celebrate the work of God. On aimerait célébrer le travail, l'œuvre de Dieu. So for our 1 year anniversary, we'll have Prophète Joe Grâce. Alors pour nos 1 an, nous aurons le Prophète Joe Grâce. He will be the guest speaker. Il sera l'invité spécial. And because our anniversary falls on Monday the 4th. Et parce que notre anniversaire tombe un lundi le 4 février. So we will have Friday the 1st. Nous aurons le premier. Saturday the 2nd. Le 2 c'est and un then samedi. Sunday the 3rd. Et le dimanche le 3. Please invite somebody. Veuillez inviter quelqu'un. We will have an amazing time, I know that. Nous allons avoir un merveilleux temps. Amen. Amen. So it is the 1st, the 2nd and the 3rd of February 2019. Donc les premiers 2 et 3 février 2019. So don't miss and invite somebody. Donc ne manquez pas et veuillez inviter quelqu'un. Amen. Amen. Is anybody here for the very first time? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? And I also want to welcome those who are following us online. If this is your very first time, you are also welcome. Et également bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent en ligne pour la première fois. We meet every Sundays from 2 to 4. Alors nous sommes ici chaque dimanche de 14h à 16h. So there's nobody new. Il y a quelqu'un qui est Amen. Là pour la première fois. Amen. Can we clap Amen. For ourselves? Est-ce qu'on peut applaudir? We showed up. Nous sommes là. Amen. Amen. Was there any birthdays for this week? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a célébré son anniversaire cette semaine? Amen. If we can clap for her if she comes up. Est-ce qu'on peut l'applaudir alors qu'elle s'avance? A lovely Andrea Kabuya. Notre bien-aimée Andrea Kabuya. I'm going to ask Pastor if he can bless her and pray for her. And if the church can stretch out their hands. Alleluia. Alleluia. Having 1 year more is a blessing from God. Avoir une année de plus, c'est une bénédiction de Dieu. So I want all of us to pray for our Andrea. Special blessing. Bénédiction spéciale. And ask God to enlarge her in everything. Demandez à Dieu de l'agrandir dans tout. Let us lift our hands and pray. Levons nos mains et prions. Father, we want to thank you this wonderful day for our own sister Andrea. That you have given to us, Lord, and you have given to her 1 year more. We want to celebrate you and thank you for your goodness and mercy, and for this privilege that you have given to her to make her have this birthday. Lord, many people have died, many people stopped on the way, but you have given her a special grace to make her day happen. And as Moses was praying, he said, Lord, teach us to number our days so that we may apply our hearts unto your wisdom. I pray that Andrea will work for you, that she will small in your kingdom, and that you will make all her heart's desires be fulfilled. We pray for a special protection over her in the name of Jesus. And we declare and decree her star is going to shine more and more for your glory in the mighty name of Jesus Christ. No one can stop what you have planned for her. We destroy every type of sickness which was attacking her. We destroy every type of attack from the enemy coming towards her. And we declare that she's more than a conqueror. She will conquer. And this day you bless her with good health, with longevity, and with all types of blessings. And we declare together with her that goodness and mercy shall follow her all the days of her life. Of her life, and in your presence, she will live forevermore. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. God bless you. Dieu te bénisse. It is time for offering. C'est le temps des offrandes. Blessing time. Amen. Amen. Church, you seem very tired today. Vous avez l'air beaucoup très fatigué aujourd'hui. Offering time. Temps des offrandes. Do you believe in that really? Vous croyez vraiment en cela? Amen. Amen. So as the ushers are preparing to give us the envelopes for offering, alors que les personnes du protocole vous donnent les enveloppes, I'm going to ask Papa Richard to come and bless the offerings. J'aimerais demander à Papa Richard de s'avancer pour bénir les offrandes. And also those who are following us online, et pour ceux qui nous regardent en ligne, we do have our banking information that is, you can actually see it on the screen. Vous pouvez voir nos coordonnées bancaires à l'écran. We are also accepting PayPal right now. Nous acceptons également les paiements par PayPal. And our banking information is also available. Shall the Lord lead you to give. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous demandons vos enveloppes. Let's lift up our envelope.
Père bon. God. Cette offrande, Père bon, nous pouvons le lever devant ton trône. We are bringing this offering to you, Lord. Laisse que cette offrande soit couverte par la puissance du sang de Jésus. May this be covered by the power of the blood of Jesus. Et la présence du Saint-Esprit de Dieu. And the presence of the Holy Spirit. Toi qui es le chemin, la vie et la vérité. You are the way, the truth and the life. Montre le chemin, cette offrande. Show the way to this offering. Afin que ton peuple puisse se voir. So that your people can receive la bénédiction de Dieu. This divine blessing. Cette offrande. And may this offering. Pour une sémence. Be a seed. Il va te glorifier dans cette église. That will glorify you in this church. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Te glorifier, te magnifier, merci. We glorify you, we magnify you, we say thank you, Lord. Bénis ceux qui ont donné, Père. Bless those who have given, Lord. Et ceux qui n'ont pas donné, Père, c'est bon. And for those who have not given, bless them. Et la prochaine fois qu'ils puissent venir participer, Père, c'est bon. So that next time they can come and partake. À cette fête glorieuse. To this wonderful party. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Before we watch our screens for our weekly services, avant que nous passions à nos annonces, I really want to encourage you to join the weekly services. J'aimerais vous encourager à nous rejoindre pour les cultes hebdomadaires. Bible studies where we learn about God through the Word. À l'étude biblique où nous apprenons plus sur la parole de Dieu. And we're learning about the Holy Spirit. Et en ce moment, nous étudions l'Esprit Saint. Our faithful friend. Amen. Notre ami. So I'm encouraging you to make it to Bible study and to make it to intercession. J'aimerais vous encourager à venir à l'étude biblique et à l'intercession. As we were truly blessed last Friday. Amen. Nous to our cross night over. Amen. Nous étions vraiment bénis le vendredi passé à la veille. Amen. So before we go back and praise and worship our Father, avant que nous please see the screens for our weekly services. Veuillez regarder à l'écran pour nos annonces. Of God's grace for humanity. We want to see generations that are raised under grace, learning to deny themselves of their ungodliness and living soberly and righteously unto perfection. We are a family which encourages people to come just as they are, in all honesty and boldness. Welcome you to join us every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. for our Bible studies, and every Friday from 7 p.m. to 9 p.m. for our powerful time of intercession with prayer and time in the Word, and every first Friday of the month we have a cross-night prayer from 10 p.m., as well as every Sunday we have a worship service from 2 p.m. to 4 p.m. You do not want to miss it. Divine Grace Gathering is about raising generations transformed by grace, centered on Christ, and making the rays of God's grace to be reflected in all their brilliance. We are Divine Grace Gathering, and we are a family. Se lever dans la présence de Dieu. Can we all stand in the presence of God?
Il est temps de danser pour notre Dieu et de Amen. It's time to dance and worship our Lord. Lui seul mérite nos louanges, lui seul mérite nos adorations. Only him deserves our praise and adoration. Et lui seul mérite nos acclamations. He is the only one that deserves our acclamations. Clap pour Dieu. Let's clap for the Lord. With one accord, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Is to our God. Every word and worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. Yes, he is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, he is. Yes, he is. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Avec nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons dire au Seigneur qu'il n'y a point de Dieu comme lui. There's no other God like him. Il n'y a point de Dieu comme lui. There's no other God like dans him. Les cieux, in heaven, sur la terre, on earth, et sous la terre. Aide-moi à tourner vers ton voisin. Turn towards your neighbor. Dis-lui, je n'ai jamais vu un Dieu comme Adonai. I've never seen a God like this.
God. Est-ce que tu peux lui dire, je n'ai jamais vu un Dieu puissant comme lui. I never seen a mighty God like this. Alors nous voulons lui dire, this kind God, we have never seen your time. Vous lui dire qu'on n'a jamais vu ce type. Alléluia. Amen. Amen. Je veux voir quelqu'un qui va bouger pour le Seigneur. Je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas. Ah, il y a des gens qui ont compris. Même le bébé a compris. Aïbo. Nous voulons le déclarer, que Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. There's no other God like you. Oh, Jesus. God, oh. I've never seen your type, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy. Oh, this kind God, oh. This kind God, oh. Come on. I've never seen your type, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Oh, this kind God, oh. This kind God, oh. I've never seen your type, oh. I've never seen your type, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Listen. Oh, you raise the dead. You heal the sick, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy name. You give me peace, oh. You give me joy, oh. Chineke, this kind God, oh. Blessed be your holy. Oh, this kind God, oh. This kind God, oh. I've never seen your type, oh. I've never seen your type, oh. Come on, let the Lord together with me. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Oh, this kind God, oh. This kind God, oh. I've never seen your type, oh. I've never seen your type, oh. This kind God, oh. Blessed be your holy name. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains pour le Seigneur de gloire? On veut dire ceci. Send your power. Holy Ghost power. Send your power again. Holy Ghost power. Send your power. Send your power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Que Dieu descend sa puissance. Send your power again. Holy Ghost power. Oh, send your power. Send your power. Holy Ghost power. You're right. Send your power again. Holy Ghost power. Oh, you are King. You are King of Kings. You are King, you are King of Kings. The mention of your name, every name bow. At the mention of your name, every tongue. Avec nos mains, you are King. Come on. You are King. You are King of Kings. You are King. You are the King. You are King. At the mention of the name. At the mention of your name. Every knee must bow. At the mention of your name. Every tongue confess. Every tongue confess. Oh, you are King. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every knee
chaque fois. The final say, Jehovah has the final say. Oh, who has the final say? Jehovah. Turn to somebody, turn to somebody, tell him. Oh, who has the final say? Jehovah has the final say. One more time. Who has the my life, for my work, who was the final Jehovah? I don't hear you. For my life and family, who was the final Jehovah? Yes, the final Jehovah turned my life around. Jehovah turned my life around. He makes a way. The final say, Jehovah is the final say. Come on, church. Who has the final say? Jehovah is the final say. Jehovah turned my life around. Jehovah turned my life around. He makes a way where there is no way. Pour nous. Come on. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ma vie, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Tu peux regarder ton. Can you look at your neighbor? Dis-lui, le Seigneur a fait. Et il fera encore. And he will do more. Est-ce que tu peux le regarder Can bien? Can you look at your neighbor? Regarde tes mains bien. Le Seigneur a fait, il fera encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dans ma vie, il va faire encore. Dieu va faire encore. En ce il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Are you ready? Je ne suis plus lié parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Are you ready? Come on. Jesus, the King of Kings. Jesus, the King of Kings. Jesus, the King of Kings. Jesus. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Je ne sais pas pourquoi tu ne danses pas pour le Seigneur. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Hey! Oh, je ne suis plus malade. 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 Je ne suis plus lié.
suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Satan planté bagage. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan planté histoire. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Sur la croix de Bogota, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a payé ma dette. 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 Je ne suis plus maudit. 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 Moi, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Oh, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Je ne suis. Are you ready? Je ne suis plus malade. Ah, ça t'envoie deux histoires. Je te le remets. Je sais que le Seigneur. Tu m'as accompli. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, planté bagage. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan, planté malédiction. Je te le remets. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Parce que je te célèbre tous les jours. Ah. Mon Dieu, mon roi, la victoire est ta passion. Je te célèbre tous les jours. Ah. Mon Dieu, mon roi, la victoire est ta passion. Je te célèbre tous les jours. Ah. Mon Dieu, mon roi, la victoire est ta passion. Je te célèbre tous les jours. Ah. Est-ce que tu peux faire avec moi ceci? Que la victoire t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Victoire, 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 victoire. Yahweh Ranga, Elohim de Zaliyayo, Okuma Maleloyo. Yahweh, 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 Yahweh,
la malédiction. Oh! À Golgotha. Oh! Il a tout accompli. Oh! À Golgotha. Oh! Je suis plus que vainqueur. Oh! À Golgotha. Oh! Il a tout accompli. Oh! Il a vaincu. Oh! Cette maladie. Oh! Baba, oh! Acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur de gloire. Can you clap for the Lord of glory? Est-ce que tu peux acclamer? Can you keep clapping for the Lord? Prends juste une minute. Just take a moment. Commence à bénir le Seigneur. Stop blessing the Lord. Rends-lui la gloire. Give him the glory. Et rends-lui l'honneur. Give him the honor. Avec ta voix. With your voice. Célèbre le Seigneur. Celebrate the Lord. Bénis-le au nom de Jésus. Bless him in the name of Jesus. Rabba shakata. Mandere boshike.
Dis Seigneur, je te bénis même si je n'ai pas encore vu. Say Lord, I bless you even if I haven't seen yet. Je te bénis même si ce que je vois c'est encore le contraire de ce que tu m'as dit. I bless you even though everything I see is opposite to what you have told me. Mais je veux te bénir. But I want to bless you. Je te bénis parce que tu es le pilier qui me soutient. I bless you because you are the pillar that supports me. Élève ta voix, Église. Élève ta voix et prie. Lift up your voice, church. Lift up your voice. Juste pour le Seigneur. I'm here to worship the Lord. Juste pour le glorifier. Just want to glorify Him. Dis-lui merci même pour les combats. Tell him thank you even for the attacks. Dis-lui merci même pour l'opposition. Tell him thank you even for the opposition. Dis-lui merci même pour ce qui est difficile devant toi. Tell him thank you even for what's difficult ahead of you. Korasarabashirebosan. Ooh, hallelujah. Ne l'adore pas seulement quand tout va bien. Don't worship him only when everything is well. Adore-le même quand tout va mal. Worship him even when everything is not going well. Arabosanda, Arabashirebosanda. Dis-lui merci pour tes réussites. Tell him thank you for your successes. Mais dis-lui aussi merci pour tes échecs. And say thank you even for your failures. Sa parole est vraie. Oh, alléluia. Alléluia. Rabasi kerebo sharababa santa. Erabasi derebo sharababa santa. Malgré sa ploguida. Yakora bashanda rabababa. Pendant que tu es en train d'adorer, tiens juste la main de celui qui est à côté de toi. As you're worshiping, just hold the hand of your neighbor. Tiens juste la main de la personne qui est à côté de toi. Just hold the hand of the person sitting next to you. Radabo shebrei karadaba senderebeshe. Korobo sharabababa. C'est un temps où Dieu fortifie ceux qui sont faibles. It's a time when God is strengthening those who are weak. Un temps où Dieu vient reconnecter. It's a time when God is connecting those who are disconnected. Korabasada rabasinderere bosarabashat. Orararabasinda rabaya rabasendere boshat. Osherere bosakere bosika kontari rabasite. We give you all the glory and honor. Écoute-moi un moment, Église. Listen to me for a moment, church. Avant qu'on puisse évoluer. Before we move forward. Je veux juste que tu pries pour la personne que tu tiens par la main. I just want you to pray for the person that is standing next to you. Say to God. Dites à Dieu. Father. Père. Accomplish your promises. Réalise tes promesses. You are faithful. Tu es fidèle. Could you be here in this place? Could you be watching us online? You can just touch your screen, touch your phone as we are praying. Connect yourself as you are praying in this place. God has opened up heaven tonight. And you will experience something particular. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I'm rich. God is changing your situation right now. May the Lord strengthen you. Wherever you felt you are weak, may the presence of God strengthen you. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Yarada basindo robo sekera braduya. Kora bradia kora masintere de bossa. Kore bashira da basinto robo sheya. We bless you, Lord Jesus. Te bénissons, Jésus. We bless you, Lord. Te bénissons, Seigneur. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Bless your word, Father. Nous bénissons ta parole.
We pray that it be spirit and life. Déclarons que c'est l'esprit de vie. In our lives. Dans nos vies. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 And amen. 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 Is there anybody who has received a message from God? Est-ce que quelqu'un a reçu un message de Dieu? Is there anybody as you were praying who received the message? Je peux alors qu'on priait, quelqu'un a reçu un message de Dieu. Okay. I want to bless somebody today. J'aimerais bénir quelqu'un aujourd'hui. Oh, I said I wanted to bless somebody today. J'aimerais bénir quelqu'un aujourd'hui. I want us to take our Bibles. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles. It's the same scripture of last time. Le même verset que la dernière fois. But today I want to read in Luke, chapter 19, I will read verse 13, verset 13. Then I will read verse 15, verset 15. And afterwards I'm going to read verse 26. Et ensuite, verset 26. Luke chapter 19. Luke 19. I will read 13, 15, 26. The Bible says, so he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. 15. And so it was, when he returned after having received the kingdom, he then commanded these servants to whom he had given money to be called to him, that he might know how much every man had gained by trading. 26. For I say to you that to everyone who has will be given, and from him who does not have, even what he has will be taken away from him. Amen. Amen. We may be seated, Church of God. I will start as a preacher, as a teacher, then I will finish as a prophet. Oh, you don't give me a good amen. The topic that I have for you, le sujet que j'ai aujourd'hui, I gave it last Sunday. Je l'ai donné le dimanche passé. Builders, les bâtisseurs, mockers, et les moqueurs. But I want to speak to builders first of all. Mais j'aimerais premièrement parler aux bâtisseurs. Who believe he came in this world for nothing? Qui croit qu'il est venu dans ce monde pour rien? I won't lift my hand because I'm not among them. Je ne vais pas lever ma main parce que je ne suis pas parmi ces personnes. Who believe? Qui croit? That you came in this world dans ce monde just to accompany other people and then your story is finished. Juste pour accompagner les autres, ensuite votre histoire est terminée. Let me change the question. C'est moi changer la question. Who believe croit that you came in this world venu dans ce monde for a special mission? Pour une mission spéciale. Oh, I see still some hands are down. Je vois que certaines mains ne sont pas levées. No. Honestly. J'aimerais voir. Who really believes? Qui croit vraiment? That you are here for a mission. Qu'il est venu ici pour une mission. Amen. Amen. Can you clap for yourself first? Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? I am proud of you. Je suis fier de vous. Because you have received something from God. Parce que vous avez reçu quelque chose. Every single person. Chaque personne. When you came into this world. Vous êtes venu dans ce monde. You came with a special mission. Vous êtes venu avec une mission spéciale. Which was assigned to you. Qui vous a été assigné. Even before you got born. Même avant que vous ne naissiez. The Lord to Jeremiah. Le Seigneur a parlé à Jérémie. He said. Il lui a dit. Before you got formed in your mother's womb. Avant d'avoir été formé dans le sein de ta mère. I knew you. Je te connaissais. I anointed. Je t'ai oint. I established you. Je t'ai établi. Prophet of nations. Prophète des nations. God knew that Jeremiah would be a prophet. Dieu savait que Jérémie serait un prophète. Even before his parents got the project of having him. Même avant que ses parents.
parents aient le projet de le concevoir. Even parents who have children here. Même les parents qui ont un enfant ici. Before your children come into the world. Avant que vos enfants ne viennent. God knows the reason why he sent them into this Dieu world. Dieu connaît la raison pour laquelle il les envoyait dans ce monde. Can you say together with me? Est-ce que vous pouvez dire ensemble? I am not in the world for nothing. Je ne suis pas dans le monde pour rien. Say it again, I'm not in the world for nothing. Je ne suis pas dans le monde pour rien. And as we came in the world, alors qu'il est venu dans le monde, as we came, alors que nous venons dans le monde, we are investing, nous investissons, because we want to have a good future here. Parce qu'on veut avoir un bon futur ici. Isn't it? N'est-ce pas? When a child is born, quand un enfant naît, why do you send him to school? Quand on l'envoie à l'école. I want us to talk. J'aimerais qu'on parle ensemble. Why do you send him to school? Pourquoi envoyez-vous l'enfant à l'école? Pour apprendre. To learn. Okay, why do they learn? Pourquoi ils apprennent? So they can have a good future. Pour assurer un bel avenir. Okay. Which is good. Bien. Somebody else? Quelqu'un d'autre? To have intelligence. Pour avoir des intelligences. Who else? Qui d'autre? To be different than others. Pour être différent des autres. We invest our money. Nous investissons notre we argent. Invest our energy. Nous investissons notre énergie. Parents are very angry when the children don't do homeworks. Les parents sont vraiment fâchés quand leurs enfants ne font pas leurs exercices. I can see sometimes even at church. Je peux voir même parents can say, les parents peuvent dire, Pastor, I'm sorry this Sunday I won't make it. Pastor, je suis désolé, je my children pas are very lazy at school. I need to stay with them so they can do their homework. J'ai besoin de rester avec eux pour assurer qu'ils font leurs exercices. Because one day, parce que un jour, we want them to have a good future. On aimerait qu'ils aient un bel avenir. Parents, are you there? Est-ce que vous êtes là, chers parents? Chers parents, c'est vous qu'on invite à la réunion des parents à l'école, n'est-ce pas? You are the ones that they invite at school meetings, right? Your child is naughty. Your child is this. Your child is that. Votre enfant est ça. Chers parents. Dear parents. Vous travaillez pour quoi? What do you work for? Répondez-moi quand même ou pas? Please answer me. Hein? Pour assurer l'avenir des enfants. To guarantee the future. C'est une réponse. Quoi encore? That's an answer. What else? Bills. I knew that one will not miss. To pay bills. Pour payer les factures. Oh no, man, I've got bills to pay. Les factures à payer. Quoi encore? What else? À manger. Ah, je veux manger. Effectivement, moi là. Myself. Quand j'ai l'argent là, je viens, je m'achète, je fais un bon foufou chaud là. I cook a good foufou. Chez nous, on appelle ça la boule blanche. We call it the white ball. Qui n'a pas de coin. Qui n'a pas de coin. That doesn't have any hole. Corners, qui est accompagné de son petit frère Mboka. Poisson. On veut manger. You wanna eat. On veut s'habiller. You wanna get dressed. On veut payer les factures. You wanna pay the bills. Nous investissons. We invest. Pour assurer notre avenir. To guarantee our future. Je vous pose une question. I'm gonna ask you a question. Savez-vous qu'on investit aussi pour l'éternité? Do you know that we also investing for eternity? Savez-vous qu'on investit aussi pour l'éternité? Do you know we also invest in for eternity? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Help me ask the question to your neighbor. Sais-tu qu'on investit aussi pour l'éternité? Do you know we also invest papa Richard, venez là comme ça, vous avez un voisin. You have a neighbor, papa Richard. Vous avez papa Roger, le voisin. Have papa Roger. Pose-lui encore la question. Sais-tu qu'on investit pour l'éternité? Ask them, do you know we invested for eternity? Matthieu chapitre 6. Matthew 6. 19 to 21. The Lord Jesus is saying something important. In Matthew 6. Je commence comme un enseignant parce que je ne veux pas que vous puissiez rater cela. Because I don't want you to miss this. Listen what the Bible says. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is,
there your heart will be also. Jesus is teaching his disciples not to invest only on earth. Do you know that you can invest to buy a new car? But then that car can be involved in an accident. As new as it may be, it can go to trash. Hallelujah. Alléluia. Vous êtes fâché? Are you mad at me? Vous êtes fâché contre moi? Are you mad at me? Do you know? Est-ce que vous savez? I saw one video. J'ai vu une vidéo. A lady. Il y avait une femme. She was preparing a wedding. Elle se préparait pour son mariage. She prepared everything. Elle a tout préparé. I think we saw that video with Papa Charles. I think it's the one who said to me. Avec Papa Charles. Il They prepared everything. Ils ont tout préparé. And he said, for my special wedding, mariage, I will come with an helicopter. Je vais venir avec un hélicoptère. I know people saw the video. It happens in the UK. Ça s'est passé, all the guests were there in the garden. Tous les invités étaient là, ils étaient they were all around there in the garden. Ils étaient là dans le jardin. And when the helicopter was coming down, et quand l'hélicoptère est venu, the pilot lost control. Le pilote a perdu contrôle. The helicopter fell. Et l'hélicoptère est tombé. The time people were running to go and see. Et alors que les gens s'avançaient pour voir, they just saw fire. Ils ont juste vu le feu. The groom and his maid. Le fiancé et son homme de main. Died. Ils sont morts. The day they were supposed to get married. Le jour où ils étaient supposés se marier. I remember. Je me rappelle. I always speak to you here about one brother. Je vous parle toujours ici d'un frère. Marcel Mulowai. Marcel Mulowai. I was doing the invitations for his wedding. Faisais des invitations pour son mariage. Weeks before the wedding. 3 semaines avant son mariage. He got. Il a été fusillé. Et il est mort. I don't know if I can have another microphone in case this is disturbing. Ça va? Ok. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Church. We invest in certain projects. Nous investissons dans certains projets. But sometimes, mais souvent, those projects don't get fulfilled. Ces projets ne se réalisent pas. But most of us here, mais la plupart d'entre nous ici, we forget that we also invest for our eternity. On oublie qu'on investit également pour notre éternité. Receiving Jesus, recevoir Jésus, as your personal Lord and Savior, comme Sauveur et Seigneur personnel, it guarantees you for your eternal life. Vous garantit la vie éternelle. But, mais the way we invest and work in the kingdom, la manière dont nous investissons et nous travaillons pour le royaume, guarantees our position garantit in eternity. Notre position dans l'éternité. We can all be saved. On peut tous être sauvés. We can all go to heaven. On peut tous aller au ciel. But we will not all have the same position. Mais nous n'aurons pas la même position. We will not all be crowned the same way. Nous n'aurons pas la même couronne. Paul is teaching Corinthians. Paul enseigne aux Corinthiens. As he was talking to them. Il leur parlait. In 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthiens 3. From verse 12 to verse 15. Du verset 12 au verset 15. Paul is saying this. Paul disait. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthiens 3. 12 to 15. 12 à 15. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear. For the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer not. But he himself will be saved, yet so as through fire. Alléluia. Alléluia. Paul is speaking and saying this. Paul parlait, il disait. The day Christ will come. Les jours viendront. The work of each one of us will be revealed. Le travail de chacun sera if révélé. If you are building in the kingdom with gold, si vous construisez dans le royaume avec you will receive the reward. Vous allez recevoir une récompense. But if you are building with chaff, mais si vous construisez avec la paille,
It will be burned. Alors ce sera brûlé. You will be saved. Vous serez sauvés. But you will not receive a reward. Mais vous n'allez pas recevoir une récompense. How long do we live on earth? Combien de temps vivons-nous sur la terre? 120 years. Peut-être 120 ans. The maximum. Maximum. But we battle. Mais nous avons des batailles. We are stressed. Nous sommes stressés. Because we want to pay bills. Parce qu'on veut payer des factures. We are stressed. Nous sommes stressés. Because we want children to have a good future. Parce que nous voulons que nos enfants aient un bel avenir. We are stressed. Nous sommes stressés. Because we want to change the car. We want to change the Parce house. Nous voulons changer de we voiture, want to change de maison. The attire. Nous voulons changer nos vêtements. But do we have the same energy? Mais est-ce que nous avons la même énergie? For our eternity. Pour notre éternité. How do we invest for our eternity? Comment investissons-nous pour notre éternité? We invest in our eternity. Nous investissons pour notre éternité. Through the quality of work we do for God. Au travers la qualité des œuvres que nous faisons pour le Seigneur. That's what the Bible says. C'est pourquoi la Bible dit. The work of each one of us. Les œuvres de chacun. Will be tested. Seront testées. The day that the Lord will come. Le jour du retour du Seigneur. The rewards will depend on how you are working for God. Les récompenses dépendront de comment nous travaillons pour le Seigneur. Turn to your neighbor. Tournez-vous vers votre voisin. Look at him very well. Regardez-le bien. Tell him. Et dites-lui. Do you work for God? Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? No, I change. Non, je change. Ask him the first question. Demandez-lui la première question. Ask him the first question. La première question. Are you a Christian? Est-ce que tu es chrétien? What did he say? Est-ce qu'il a dit? Oui. If he's not a Christian, tell him to stand up. I will accept Jesus. S'il n'est pas chrétien, dites-lui de se lever. Ask him again. Are you a Christian? Demandez-lui. Est-ce que tu es chrétien? Oh, are you a Christian? Est-ce que tu es chrétien? So if you are a Christian, alors si tu es chrétien, your eternity, ton éternité. Is guaranteed. Est garanti. Amen. Ask him the second question. Demandez-lui la deuxième question. Do you work for God? Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Working for God. Travailler pour le Seigneur. Is not being present in church. N'est pas être présent à l'église. Working for God. Travailler pour le Seigneur. Is not when you pray every morning and every evening. Ce n'est pas le fait de prier chaque matin, chaque soir. Give me this, Père, donne-moi ceci, donne-moi cela. Working for God. Travailler pour le Seigneur. Is when you take the talents. Quand vous prenez. The talents. Les talents. And the gifts. Et les dons. That God has given you. Que Dieu vous a donné. You start working with them. Vous commencez à travailler avec les talents. To multiply the kingdom of God. Pour les multiplier dans le royaume de Dieu. Ça c'est le premier. You are working for God. C'est ce qui montre que vous travaillez pour le Seigneur. Are your talents benefiting the kingdom of God? Est-ce que vos talents sont au bénéfice du royaume de Dieu? The gifts that you have. Les dons que vous avez. Do they benefit the kingdom of God? Est-ce qu'ils sont au bénéfice du royaume de Dieu? We have people. Nous avons des personnes. Who say? Qui se disent? The church. L'église. It's Prophet Rema. C'est Prophète Rema. I will just go and sit. Je vais juste aller m'asseoir et recevoir la parole and go back home. Et retourner à la maison. But maybe God has given you a special talent. Peut-être Dieu vous a donné un talent spécial. What are you doing with that talent? Que faites-vous avec ce talent? In Matthew 25 that we read last Sunday. Dans Matthieu 24 que nous avons lu la dernière fois. The Bible says. La Bible déclare. The one who received 5 talents. Celui qui a reçu 5 talents. He worked. Il a travaillé. And got another 5 talents. Il a eu 5 autres talents. The one who had 2 talents. Celui qui avait 2 talents. He worked. Il a travaillé. He got 2 other talents. Il a eu 2 autres talents. But the one who had 1 talent. Mais celui qui avait 1 talent. He went to hide it. Il a caché ce talent. Under the ground. Sous la terre. He was not doing anything. Il ne faisait rien. When the master came. Et quand le maître a revenu. The first one was. Le premier. He came and said. Il est venu, il a dit. Master, you gave me 5 talents. Maître, tu m'as donné 5 talents. Here I have got 5 other talents. Et j'en ai eu 5 autres. You gave me 2 talents. Tu m'as donné 2 talents. Here am I have got 2 other talents. Et j'en ai gagné 2 autres. But you know when the one who had 1 talent. Mais celui came, qui avait 1 talent, il est venu. He said. Il a dit. They can display it for us. Pouvez le montrer à l'écran. He said, Lord. Il a dit, Seigneur. I know that you reap where you did not sow. Je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Listen. Écoutez bien. He starts giving reasons. C'est la raison qu'il a donnée.
Can you continue, please, with the reading? Pouvez continuer, s'il vous plaît? He said, Lord. Il a dit, Seigneur. 24, please. Then the one who received one talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man. One. He's accusing the master. Il accuse le maître d'être un homme dur. You are a very hard man. Tu es un homme dur. You reap where you did not sow. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. You gather where you did not scatter. Et tu rassembles là où tu n'as pas éparpillé. And then he said, I was afraid. Et il dit, j'avais peur. I went and hid in the ground. Je suis allé cacher ce talent dans le sol. Look there, you have what is yours. Voilà, tu as ce qui est à toi. But his Lord answered him and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. But listen, for to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Verse 30. And cast the unprofitable servant into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Jetez-le dehors. Cast him out. Jetez-le dehors. Cast him outside. Là où il y a des pleurs. Where there will be cries. Et des grincements de dents. And gnashing of teeth. Et où? Where is that? C'est où? Where is that? Hein? Where is it? Enfer. Hell. Enfer. Hell. Jesus is referring to hell when he says. Jésus se référait à l'enfer quand il disait. Crying and gnashing. Il y aura of des teeth. Pleurs et des grincements de dents. One servant. Un serviteur. God chased in the darkness. Dieu l'a jeté dehors. Because. Parce que. He did not fructify his talent. Il n'a pas fructifié son talent. You know that the world is dying outside. Vous savez que le monde se tue but dehors. But you have a talent which can save many. Mais vous avez un talent qui peut sauver plusieurs. What are you doing with that talent? Que faites-vous avec ce talent? Are you giving reasons not to work for God? Est-ce que vous vous donnez des raisons de ne pas travailler pour le Seigneur? We have people. Nous avons des personnes who say, qui se disent. I am not called to preach. Je ne suis pas appelé à prêcher. I cannot do anything. Je ne peux rien faire. Working for God is not only preaching. Travailler pour Dieu, ce n'est pas juste prêcher. Working for God. Travailler pour Dieu. Even the one who evangelizes. Même les personnes qui évangélisent. Working for God. Travaillent pour le Seigneur. Even the one who is inviting somebody. Qui invite quelqu'un à l'église. Working for God. Travaille pour le Seigneur. Even the one who puts his intelligence. Qui met son intelligence. For the kingdom of God. Pour la royauté de Dieu. Is working for God. Travaille pour Dieu. My brother and my sister. Mon frère, ma sœur. Do something with God. Fais quelque chose avec Dieu. I want you to retain these three lessons. J'aimerais que vous reteniez trois leçons. Number one. Numéro un. The master gave talent to his servants. A donné des talents à ses serviteurs. Because he was trusting in them. Parce qu'il y avait confiance en eux. I want to tell someone. J'aimerais dire à quelqu'un. God is trusting you. Dieu vous fait confiance. Let me put it in a good way. Laissez-moi prêcher de bien. God. Dieu. Is trusting you. Vous fait confiance. No. Let me put it in a very, very good way. Laissez-moi très, très bien le dire. With nice words. Avec des mots très bons. God. Dieu. Is trusting you. Vous fait confiance. If your husband doesn't trust you. Si votre mari ne vous fait pas confiance. If your wife doesn't trust you. Si votre femme ne vous fait pas confiance. If your friends doesn't trust you. Si vos amis ne vous font pas confiance. God is trusting you. Dieu lui vous fait confiance. God is trusting you. Dieu vous fait confiance. He gave them the talents. Il leur a donné des talents. Number two. Numéro deux. With the talents that you have. Avec les talents que vous avez. God is waiting for results. Dieu attend des résultats. The one who had five. La personne qui en avait cinq. He got another five. Il a obtenu cinq autres. Maximum. C'est le maximum. Maximiser, to maximize. Maximiser. The one who had two. La personne qui en avait deux. He had another. Il en a obtenu deux autres. 100% of benefit. 100% de bénéfice. Est-ce que tu peux aussi maximiser les résultats pour Dieu? Can you also maximize the results for God? Et quand Dieu vous donne cela, and when God gives you that,
Il veut que vous preniez le risque. He wants you to take the risk. Vous savez, quand nous faisons les affaires, you know, when you're doing business, je viens de fois avec 50 000 $. Sometimes I come with $50,000. Si je veux fructifier cet argent, fructify that money, je dis non, je peux commencer un business. I'll say I can start a business. Vous savez, commencer le business, c'est quoi? You know how to start a business? C'est accepter de prendre les 50 000 que j'ai. To take the 50K, d'investir. And to invest. Avec tous les risques possibles. With all the risks possible. Soit de gagner, soit de perdre. Either to win Mais or j'investis. To lose, but I invest. Pour avoir le bénéfice. To have the benefit. Celui qui ne risque jamais avec Dieu. The person who never risks ne with saura God pas produire des résultats avec Dieu. Will not be Dieu able to produce results with God. Je le répète encore. I'm repeating that to you. Celui qui ne risque pas avec Dieu. The one who Dieu doesn't take risks with God. N'obtient des résultats will avec not Dieu get results with God. Tu resteras avec les cahiers de prophétie. You will be with the book Dieu of prophecies. A dit, je serai un grand prophète the des Lord nations. Said, I will be a big prophet Mais of quand nations, je te donne un message but là, when God gives you just one tu message, as peur de parler. You are afraid to talk. Il dit, oh non, 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 ça c'est pas He pour said, nous. No, 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 it's not for me. Ça c'est pour les autres. It's for others. Dieu t'a donné l'intelligence. God gave you intelligence. J'étais choqué de voir le frère Patrick. I was shocked to see Brother Patrick. Il dit, he said, je vois, nous avons deux caméras. I see we have two cameras. N'utilise pas la deuxième caméra. We're not using the second one. Comment je peux faire? How can we do? Il est ingénieur. He is an engineer. Il allait créer quelque chose. J'oublie même le nom. He created même qui something. Connaît. Only him knows the name. Il met la caméra au-dessus. He puts the camera there. Ça fait ça. Ça tourne comme ça. And comme it un robot. Turns by itself, just like a robot. Quand j'étais chez lui, and when I was with il him, était en train de le tester. He was testing it. Pasteur, je fais les dernières fictions. Like, et puis Pastor, on viendra, on va installer la deuxième caméra. And then we're gonna install a second camera. Quand on va commencer à chanter là, so when we start filme, singing, ça nous fait danser. Même quand la chorale ne danse pas, là, ça les fait danser un peu. So it will make us dance even when the choir is not dancing. Il est ingénieur. He's an engineer. Il dit, je vais prendre mon intelligence said, là. Use my intelligence. Quelque chose que je dois faire pour le royaume. I need to do something for the kingdom. Amen. Tu as la belle voix. You have a nice voice. Ça finit seulement dans la cuisine. Does it only end in the Alléluia, kitchen? Amen. Chalalala. Amen. Amen. La danse là, ce n'est pas seulement pour les anges. Dancing is not only for angels. Dieu veut que son église bénéficie de ce God talent là. His church to benefit que from quelqu'un that décide aujourd'hui. Et dise, je ne vais pas rester dans les church, bornes. Je veux servir Dieu. I want to je veux faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Je vais investir invest pour le royaume de Dieu. The kingdom of God. Et hey. Nous recevrons les couronnes. We receive crowns selon que nous avons investi. Based on our investment. Et le passage qu'on a lu dans Luc 19. And the verse that we read in Jésus Luke 19, dit même, Jesus quand said, il viendra dans son règne millénaire sur la terre. When he will come in the millennium. Toi, je t'ai donné 10 mines. I gave you 10K. 10 mines, miners. 10 000 mines. Je t'ai donné des mines. Tu as fructifié. I gave you miners and you je vais te donner, tu vas régner sur 10 villes. And you're gonna reign over 10 towns. De la même manière qu'on voit le gouvernement, the le président, the government, the president and everything. Dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. Nous aurons aussi des généraux. We'll also have generals. Nous aurons des balayeurs. We'll have people that we're gonna wipe. Ça c'est moi qui dis. I'm just saying that. Donc on sera là au ciel. So we'll also be there in moi, heaven. Moi là. Me, myself. Je vais dire, tout le Canada là. I'll be like all Canada. Jésus, je vais régner un peu sur ça. Lord, I just want to reign there. Je vais sentir comme Trudeau santé. I want to feel like Trudeau is feeling right now. Que ça va faire mal que dans l'éternité tu n'es pas une bonne it's position près du maître. In heaven you won't have a good position that la you'll enjoy. La position, the position dépend de l'œuvre que tu faisais. Depends plus on the works that you are doing now. Donc ce que tu fais là, so what you're doing tu right es now, en train d'investir. You are investing. Mais tu investis. But you are investing pour ton éternité. For your eternity. Tu te bâtis une maison au ciel. You are building yourself a house in heaven. Ne t'étonne pas si tu pars là-bas au ciel. Don't be surprised when you go there. Tu trouves une maison en or. And you see my house mais in gold. Mais la tienne elle est inachevée. But yours is unfinished. Somebody dit sans effet. Pourquoi? No effect. Ça dépend de ce que tu fais pour le royaume. It depends on what you are doing for the nous kingdom. Avons des gens we have people qui se disent, moi, chaque matin quand je like, me réveille, every morning when je I wake dois up, me rassurer que je gagne une âme pour Dieu. I have to make sure that I earn, I win one soul for the Lord. Vous savez, les gens qui ne travaillent pas, no, the people that are not working, non seulement ils cachent la mine sous la terre, not only they are hiding the mine on the ground, mais ils trouvent même des raisons pour accuser le maître. But they even find reasons to accuse the master. Je sais que tu sèmes là où tu n'as pas moissonné. I know that you reap when you haven't. Dans l'œuvre de Dieu. So, in the works of God. Nous avons les gens qui bâtissent. We have people that build. Nous avons des gens qui moquent. And we have people that mock.
Les gens qui moquent, the people that mock, ils n'utilisent pas leur talent. They don't use their talent. Mais ils accusent le maître. But they accuse the master. Ils accusent l'œuvre du maître. They accuse the works of the master. Les moqueurs, the mockers, on en a dans l'église. We have them in church. On en a à l'extérieur. And outside church. On en a même en ligne. We even have them online. Il y a des gens là. There are people. Ils sont fidèles. They are faithful. Chaque dimanche. Every Sunday. 14h juste. 2 p.m. sharp. Il est connecté. They are connected. Mais il n'est pas connecté pour être béni. But not to be blessed. Il est connecté juste pour voir. Tu as vu comment le prophète là il est orgueilleux. They are just to see how the prophet is behaving. Tu as vu comment la sœur là elle dansait comme ça en faisant le temps d'être. Have you seen how the sister was dancing? Je vous salue bien aimés frères et sœurs. I greet you all online. De partout où vous êtes. May God bless you wherever you are. Vous, vous êtes les bâtisseurs. You are the builders. Mais les moqueurs. But the mockers. Que Dieu s'en charge. May God take care of you. Même à l'intérieur. Even here. Les moqueurs. Mockers. Ils cachent son talent. They hide their talent. Mais il est là seulement pour critiquer. But they are only there to criticize. Est-ce que tu as vu comment Mama Lydie dansait? Have you seen how Mama Lydie was dancing? Quand elle était en train de danser, ça m'a rappelé Wera. Qu'est-ce que Wera est venu faire ici? She was dancing like Wera. What is Wera doing here? Quelqu'un ne peut pas utiliser toute son énergie pour danser pour le Seigneur. Someone cannot use their own energy to dance for the Lord or not. Il faut seulement que tu viennes dire non. So you're just gonna c'est say, qu'il était en train de danser oh, là. Oh, how he was dancing. C'est comme si Lauka. It's like Lauka. Les moqueurs. The mockers. À l'église. In church. Quand je prêche là. When I'm preaching. La parole n'est pas pour lui. The word is not for them. Tu as entendu comment? Le prophète était en train de parler de Papa Roger. Did you hear how prophet was talking about Papa Roger? Il a jeté une flèche à Papa Hervé, hein? He threw an arrow at Papa Hervé. C'est ça les moqueurs. That's what the mockers do. Ils ne travaillent pas. They're not working. Tout ce qu'ils font. All they do. Il est même préfet de discipline. They're just like a prefect of discipline. Avec un bic rouge. With a red pen. En train de compter. And they're counting. Rick n'a pas bien dansé. Rick didn't dance well. Quand il chantait là, when he was singing, il ne faisait que tourner ses regards vers l'autre sœur. Il faut bien les voir, just looking at the other sister. Just look at them correctly. Commence à le suivre à la loupe dans ces gentils là. Just start putting, you know, looking at them closely. Moqueurs. Mockers. Et vous savez ce que Dieu fait avec les moqueurs? And do you know what God does with the mockers? Il les jette aussi dehors. He also throws là them outside. Là où il y a les ténèbres. Where there is darkness. Là où il y a les pleurs. Where there is crying. Là où il y a les grincements des dents. Where there is gnashing of teeth. Bien-aimé, décide. Beloved, decide. D'être celui qui vient. To be the one that qui comes. Qui apporte une pierre. And that brings a stone. Pour que l'église soit bâtie. To build the church. Ne sois pas de ceux qui viennent avec le marteau et le burin. Among the ones that just come with the tools. Pour détruire ce que d'autres sont en train de construire. To destroy what others are building. Seigneur, je prie. Lord, I pray. Avec toute mon énergie. With all my energy. Ici ou en ligne. Here or online. Les gens qui sont là pour détruire. The people that are here to destroy. Confonds-les. Confuse them. Qu'ils vivent la plus grande catastrophe jamais expérimentée auparavant. The biggest catastrophe ever. Eh, même on a prophétisé. Je suis en train de prophétiser. Non, prophétise. Je prophétise maintenant. Catastrophe, Seigneur, poursuis-les. Catastrophe. Dans les études, God, dans le travail, the studies, in dans the les finances, work, in the finances, dans la famille, in the dans family, la santé. In the health. Poursuis-les jusqu'à la chase dernière them. Graine. Chase them till the last que aucun d'eux ne puisse échapper. That nothing escapes you. Mais celui qui bâtit, but the ones that are building, même avec un centime, even with just même avec son intelligence, even with the intelligence, même avec sa voix, even with the souviens-toi voice, de lui. Remember them, souviens-toi remember de lui, them, Seigneur. Remember them, dans Lord, le moindre détail, in the dans la minor santé, details, in the health, dans le travail, in the work, Dieu, souviens-toi de lui. God, remember them. Que Dieu se souvienne de toi. May God remember you. Non, toi qui es ici. You who are here. Et qui bâtis l'œuvre de Dieu. And is building for the que works Dieu of God. Que Dieu se souvienne de toi. May God remember you. Que Dieu se souvienne de toi. May God remember you. Que Dieu se souvienne de toi. May God remember you. Bâtir pour le royaume. To build for the kingdom. C'est fléchir les genoux. Is to kneel down. Prier aussi pour l'œuvre. And to also pray for the works. Le bâtisseur. The builder. Il regarde là où ça ne va pas. He sees where everything is wrong. Il vient pour réparer. And he comes to refix it. Il ne constate pas seulement. He doesn't just look mais at il it. Il agit pour corriger. But he acts upon it to correct. Le bâtisseur. The builder. Il ne constate pas seulement. He doesn't just look at it. J'ai vu que là ça ne va pas. Oh, I see that here is wrong. J'ai vu que là ça ne va see pas. That there's something wrong j'ai here. J'ai vu que là ça ne va pas. There's something wrong here. Mais il vient et il apporte la solution. He comes and he brings the solution. Avec l'intelligence que tu as. With the intelligence si that you have. Si Dieu t'a permis de constater. If God allowed you to c'est qu'il see, t'a donné la capacité de corriger. It's because he gave you the capacity to correct. N'attends pas que quelqu'un d'autre corrige. Don't wait that someone else corrects. Commence. Start. Oh. Come on. Alléluia. Hallelujah.
Tu sens que la chorale ça ne va pas. You feel like the choir is not doing well. Là-bas ils font des demi-tons. They are doing semi-tones. Bando kumunyeche chorale yangu. Laissez-moi avec ma chorale. Just leave me with my choir. C'est la meilleure chorale du monde. It's the best choir on the earth. Même quand on chante là. Even when we sing. Holy. Je les aime comme ça. I love them like that. Ils fournissent des efforts. They are providing jour efforts. Jour après jour. Day after mais day. Mais au moins avec cette voix là. But at least with that voice. C'est un talent. It's a talent. Mais je l'investis dans le royaume. And I'm investing in the kingdom. Maintenant toi. And you. Tu as une belle voix des opéras. You have a good opera ooh, voice. Ooh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Mais tu es assis là. But you are sitting here. Demi-ton. Semi-tone. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? With what God has given you. Je vais bien prêcher. Vous allez vous I'm fâcher contre preach. Moi. You're going to be mad at me. But you're still gonna love me. C'est comme ça que j'ai gardé la barbe pour vous. That's how I kept the comme beard ça, for you. Comme ça, vous m'avez avec ce so visage. So that if you hit me quand with that face, barbe, là, vous allez me voir when I shave, you're gonna see me with another face. Non, l'église chaque fois on veut organiser. Well, every time we want to organize. Quand on appelle, on cherche des rendez-vous when avec we call le pasteur. And we look into make an appointment with the pastor. La sœur Mariama est un peu Sister occupée. On n'arrive pas à la voir. We can't reach her. Mais tu es avec les gens qui peuvent nous donner le numéro gratuit de 1-800. But you are with avec the people that can give us a free number or a 100 number, but you're not doing anything. Tu es seulement là. You're just there. En fait, les rendez-vous oh, prophet, we're not able to make an appointment. Translate. Laissez-nous notre Mariama tranquille. Just leave our Mariama avec alone. Avec ce qu'elle a, with what she has, elle investit she's investing dans le royaume. In the kingdom. Amen. Non, Papa Hervé, qu'est-ce qu'il oh, veut no, nous prouver? What does he want to prove to us? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? What does he want to show us? Quand il suit là-bas, when he's, ses manches, comme when il a he's déjà sweating fait. Over there and he brings out his sleeve. Le son n'est pas bon en live. Oh, the sound is not good. Qu'est-ce qu'on peut faire? What can we do? Bien-aimé? What can we do for our beloved? Pendant que nous on le regarde, on dit pourquoi while il while we are la looking barbe. At him and he's lui like, why does he have a beard? He's getting busy. Les gens qui nous suivent en ligne, with the people that are watching us online. Ils voudront que nous reçoivent l'évangile. And then others are thirsty for the gospel. Laissez-moi mon Hervé tranquille. Leave my Hervé alone. Alléluia. Alléluia. Come on, church. Come on. Est-ce que vous savez do you know que Jésus a bouleversé le monde that Jesus will just confuse the world avec 12 personnes? With 12 people. Combien on est ici? How many are we here? Est-ce que vous savez do you know que nous pouvons bouger Ontario? That we can rock Ontario. Amen. Nous avons des gens comme la sœur Gottlieb. We have people like Sister Gottlieb. Elle prépare bien. She cooks very well. Quand elle prépare là. When she cooks. Tu risques d'oublier même la cuisine de la maison. You might even forget the what you eat at home. Papa, quand vous allez manger, allez toujours avec maman. But father, when you're going, always go with mama. Elle donne des bons cours. She has good classes. Est-ce que vous savez? Do you know that? Que l'église, on peut dire que c'est un talent. We can say that on this is a talent. On peut faire lever des fonds. We can even on prépare raise la nourriture. Money. To cook. On va voir les chégués. Then we go see the people, bon, ici, pas les the homeless. Homeless. On va voir les homeless. Then we go and see the homeless. Comprenez, moi je suis encore en Afrique. Understand, I'm still in Africa. On leur donne la nourriture. We give them the food. Et puis quand on donne la nourriture, then we, as we give the food, on prie avec eux. We pray with them. On annonce l'évangile. And we preach the gospel. On peut faire ça, n'est-ce pas? Can we do that? Maman Nathalie, elle Nathalie, organise les événements comme papa. She knows how to organize events. On peut se fâcher. We can just get on se dit, okay, on va appeler un say, musicien. Okay, we're gonna call a musician. Tony McLaughlin. Tony McLaughlin. Tony. Ah, non, c'est Tony. Il vient chanter. He comes and sings. Après avoir chanté. And then after he sings. On gagne d'abord les âmes. We win souls. Et puis on fait la levée de fonds. And we raise money. Et puis on achète notre parcelle. And we buy our own land. Tout ça, vous attendez seulement que le pasteur vous dise ça. Do you want to wait for the pastor to tell you all this first? Est-ce que vous pouvez vous fâcher et commencer quelque chose? Can we just get mad and start something? Amen. Sœur Noëlla est ingénieure. Sister Noëlla is an engineer. Ingénieur électricien. Electrical engineer. Jeudi passé. Last Thursday. Ensemble avec la sœur Yasmine. With Sister Yasmine. La sœur Mignon et beaucoup Mignon de personnes. And many others. On était à l'hôpital. We were at the hospital. Debout là. We were standing. Bien-aimé, Jésus t'aime. Beloved, Jesus loves Jésus you. Veut te sauver. Jesus wants to save you. On passait de chambre en chambre. We're going from room to room. À Humber River.
Yes, Humber River. On allait prier pour les malades. We are going to pray on for leur annonçait l'évangile. And we preach the gospel. Quelqu'un dit, je suis ingénieur. Someone said, I am an engineer. Mais là, but right now, je suis ouvrier. I'm a worker. Dans l'œuvre de Dieu. In the works of God. Qu'est-ce que toi tu fais? What are you doing? Est-ce que tu peux te décider? Can you just decide? Je vais commencer à prendre un jour dans la semaine. Take just one day in the week. Je fléchis les genoux. I'm going to kneel down. Je prie pour divine grace. And I'm going to pray for divine grace. Un jour la semaine. Just one day in the week. Je vais juste chercher le numéro des frères et des sœurs. I'm just going to look for the numbers of sisters and brothers. I'm going to start calling them. Pas pour critiquer. Not to criticize. Mais pour leur demander, pour prier avec eux. But to pray with them. Leur demander comment ils vont. To ask them how they're doing. Et prier avec eux. And to pray with them. Avec ce que tu as. With what you have. Tu peux faire quelque chose. You can do something. On parlait avec la chorale. We're talking with the choir. Vous allez nous voir bientôt là. You're gonna see us soon. La sœur Eunice est venue avec une idée. Sister Eunice came with an idea. Prophet. On peut demander les permissions. We can ask permission. Les, hein? Les, au pluriel. Ah, je pensais le là. Montons sur notre vocabulaire. On peut demander les différentes permissions. We can ask different authorizations. Aller dans les métros. And go in the metro. On arrive seulement là. Just on on the chanter, street and then start singing. On gagne les âmes pour le Seigneur. Win souls for the Lord. Bien-aimé. Beloved. Il y a beaucoup que tu peux faire. There's so much you can do. Est-ce que tu investis? Are you investing? Pour le royaume. For the kingdom. Ou tu es juste là assis? Are you just sitting? À regarder. To look in. Et à critiquer. And criticizing. Are you a builder? Est-ce que vous êtes un bâtisseur? Or are you a moqueur? Ou un moqueur? La prochaine séance, the next session, je vous parlerai de l'exemple d'un bâtisseur. I'll talk to you about a builder. Nehemiah. Il travaillait avec le roi. He worked with the king. Mais il a regardé sa position. But he looked at his position. Comme il était près du roi. As he was close to the king. Il a demandé la permission. He asked permission. Pour aller rebâtir Jérusalem. To go and build Jerusalem. Aller rebâtir la muraille. To build the wall. Pendant qu'il rebâtissait. As he was building. Il y avait les moqueurs. People were mocking. Sambala et Tobija. Sambala. On watchers. Sambala. The Sambala. Name Sambala. Ah, Sambala. Et Tobija. Tobija. Qui était là. They were there. En train de dire. And they were saying. Qu'il bâtisse seulement la muraille. Just look at him building. Même les petits renards vont renverser ça. Even the small animals will. Mais lui, il continue à bâtir. Will destroy it, but he's ils continuing ont décidé d'aller to combattre. Build. They decided to go il fight. A dit aux ouvriers. And he told the workers. Une main, vous mettez la brique. You use one hand to put the stone. Une autre main, gardez votre lance pour combattre. And use the other one to fight. Ils combattaient. They were fighting. Mais ils n'arrêtaient pas de bâtir. But they were still building. Et je sais que Dieu nous fera du bien. And I know that God will do us well. En finissant ce message. As I finish this message. Demande encore à ton voisin. Ask your neighbor. Est-ce que tu sers Dieu? Are you serving God? Avec ce qu'il t'a donné. With what he has given you. Dis-lui encore, do you serve ask him again. God? Est-ce que tu with sers le what Seigneur? He has given you. Avec ce qu'il t'a donné. Après ce dimanche, after this Sunday, mes frères et sœurs, brothers and sisters, prenez une décision. Make a decision. Ne restez pas les bras croisés. Don't just stand there. Soyez les acteurs de changement. Be actors of change. Alléluia. Hallelujah. Divine grace, c'est pas prophète. Divine grace is not about the prophet. Divine grace. C'est toi et moi. It's you and me. La réussite de Divine Grace. The success of Divine Grace. Ce n'est pas la réussite du prophète. It's not the success of the prophet. C'est la réussite de nous tous. It's the success of all of us. L'échec. Failure. Sera aussi l'échec de nous tous. Will also be the failure of all of us. Be the change you want to see around. Soyez le changement que vous voulez voir dans vos vies. You want to see change. Vous voulez voir le changement. Start by changing. Commencez par changer. Start by producing the change around you. Commencez par produire le changement. Nous allons nous lever dans la présence de Let's Dieu. Let's all stand in the presence of God. J'aimerais. I would like to. J'aimerais que nous puissions prier. I would like us to pray. J'ai à cœur d'appeler deux personnes. I would like to call two people. La première personne que j'appelle c'est Maman Lydie. The first person is Maman Lydie. La deuxième personne que j'appelle c'est Papa Kaba. And the second person I want to call is Papa Kaba. Ils vont s'avancer. They're gonna come forward. Nous voulons prier. We want to pray. J'ai reçu beaucoup de paroles prophétiques cet après-midi. I received a lot of prophetic words this afternoon. Que le Seigneur me permette de les libérer le dimanche prochain. May God allow me to release them next Sunday.
le Seigneur me permette de les libérer le dimanche prochain. May God allow me to release them next sur Sunday. Chaque personne. For every person. Je sens qu'on va faire, on va avoir un service glorieux. I feel like we're gonna have a glorious service. Les deux serviteurs de Dieu vont prier l'un après l'autre. The two servants of God are gonna pray one after the other. Maman Lydie va prier d'abord. Mama Lydie is gonna start. Et puis Papa Kaba va prier ensuite. And then Papa Kaba. On va demander à Dieu. We're gonna ask God. Dire Seigneur. Lord. Avec tout ce que nous avons. With everything we have. Permets-nous de te servir. Allow us to serve you. Avec les dons que nous avons, the gifts that we have, permet qu'on te serve. Allow us to serve you. Si tu es là, if you are here, tu as des dons, des talents, you have gifts and talents, que tu ne mettais pas à l'œuvre, that you are not putting at the dis service. À Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Say, Lord, I ask forgiveness. J'ai reçu beaucoup de dons. I received a lot of gifts. J'ai reçu beaucoup de choses venant de toi. Lots of things coming from you. Mais je suis en train de sentir, but I feel like, que je n'ai pas encore produit le maximum. I haven't produced the maximum yet. Je veux que le frère voie Papa Roger, il va prier pour toi et ton épouse avant de partir. But the brother, please see Papa Roger at the end. La sœur Leslie. And Sister Leslie. J'aimerais que Papa Roger prie aussi avec toi à la fin. I would like Papa Roger to pray for vous you at the end. Vous pouvez juste vous avancer. You can just come forward. Je vais juste mettre mes mains sur vous et I'm puis je demanderai à Papa Roger de prier pour vous. And I'm going to ask Papa Roger to pray for you. Juste là, avancez-vous juste là. You can just come forward here. J'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin. Hold the hand of your neighbor. On va prier. We're gonna pray. Comme une famille. As a family. On va dire à Dieu. We're gonna ask God. Seigneur. Lord. Voulons te servir. We want to serve you. Avec les dons que tu as mis en nous. With the gifts you have put in us. Seigneur, pardonne-nous. Lord, we forgive us. Si on n'a pas eu à te servir. If we were not able to serve you. Permets-nous de te servir. Allow us to serve you. Avec tout ce que tu as mis en nous. With everything you have put in us. Nous allons d'abord élever nos voix ensemble comme une famille. Lift up our voices together. On va prier. And then we're gonna pray. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Let's lift up our voice to pray. Élève ta voix et prie bien. Lift up your voice and pray to the Lord. Dis à Dieu. Tell God. Seigneur, je veux te servir. Lord, I want to serve you. Avec tous les dons que tu m'as donnés. With all the gifts you have given me. Avec toutes les grâces que tu m'as données. All the grace you have put in me. Je veux te servir. I want to serve you. Avec tout ce que tu as mis en moi. With everything you have put in me. Je veux te servir. I want to serve you. Seigneur, avec les talents que tu as mis en moi. With the talents you have put in me. Permets-moi que chaque chose, que chaque talent que allow tu m'as donné everything, every talent you have given puisse me contribuer will contribute à l'avancement de ton œuvre. To the moving forward of your work. Maman Lydie va prier d'abord. Lydie is going to start with the prayer. Merci tendre Père, nous te remercions, nous te rendons gloire. Thank Seigneur. You Lord, we glorify you. Merci pour la journée d'aujourd'hui, merci thank pour ta présence parmi nous, Yahweh. Nous demandons ta grâce, we Seigneur. Ask your grace, oh faites-nous grâce d'avoir la force give de te servir. Faites-nous serve grâce you. D'avoir la force, give Papa, grace, de ne demeurer qu'à ta parole, mon Dieu, to mon Père, stay Papa. Faithful to your word. Donne la force à chacun de ces nous, à chacun de nous ce soir. To all of nous us. Te remercions parce que tu es un Dieu d'amour, we Papa. Thank you you are Papa, the God of love. Tu connais les projets que tu as formés. You know the projects that you have formed dans nos vies, Papa. In our tu lives. Connais les projets que tu as formés pour mes sœurs et frères, know Seigneur. The projects donne-les for la each force, one here. Papa. Give de us the travailler strength, pour ta gloire. To work de for your travailler, glory. Papa, dans ton to ministère. Work in your ministry. Donne-nous la force, Seigneur. Nous give te remercions parce que tu es un Dieu d'amour, thank Papa. You you are nous the savons God of love. Que nous n'allons pas travailler seuls, Seigneur. Tu seras avec nous et tu vas nous conduire à tout. Tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur. Nous te disons we merci start, parce que tu es un Dieu d'amour, we Papa. Thank you because you are the oh, God Papa, of love. Laisse que ta grâce tombe sur nous. May your grace fall upon nos us. Enfants, Seigneur. And d'avoir upon la our force, children, Papa, de travailler to have the dans ta to maison, work Seigneur. In your house, oh, Lord. Papa, nous te disons merci, Seigneur. We thank you, Allez, oh, Lord. On dit toujours que Elanganaye Zalimounene Kasibasali Bazalimouke, Seigneur. Envoie les ouvriers dans ton travail, Seigneur. Send the workers nous te remercions, Papa. Bénis-nous, Papa. We thank et you, Lord, donne-nous bless cette us force and give au us nom the de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, O Lord, for this afternoon.
Merci pour ta parole éternelle. Thank mon you Dieu, for your, oh God. Merci pour la présence de tout un chacun. Thank de you nous, for the presence of each and everyone here. Cet après-midi, Yahweh Papa. This afternoon. Pendant que nous avons écouté ta parole. As we are listening to our, your venons word. Te demander, Seigneur Dieu. We want to ask Lord. Que tu puisses nous briser davantage. That you break us toi. More, oh Lord. Brise tout un chacun de nous. Break oh Dieu. Every one of us. Mais cet après-midi, Père de gloire. And may this afternoon. Viens, Seigneur Dieu, activer du Yahweh. Can come and activate, O Lord, all the gifts that you have put in the lives of your children, Lord, afin que nous puissions investir so that we can invest dans ton œuvre, ô éternel, in your work, O Lord. Nous bénissons ton nom, éternel, we bless your name, O God. Merci, Seigneur Dieu, parce que je crois cet après-midi thank you, Lord, tu viens d'activer les dons de tout un chacun de nous. The spiritual merci parce qu'à partir everyone. D'aujourd'hui, Père thank de gloire, il y a on, un changement dans notre vie spirituelle. Shift in our spiritual il y a un changement exceptionnel. Yahweh Papa, there's this exceptional change with your grace, ta faveur, Yahweh, with Papa. Your favor. Mais soutiens-nous, Père de gloire, and jour support et nuit, us, Père oh de Lord, gloire. Day and night. Que nous puissions être des vrais soldats, Père that de gloire. Be good soldiers, Seigneur Dieu, oh Père de gloire, enfin, Yahweh Papa, de puisse Yahweh Papa marcher toujours dans la victoire. And may we always walk in Père, victory. Père, nous bénissons ton nom, Dieu. Lord, we bless your name. Nous disons un grand merci. And we say thank you. Bénis cette parole, Yahweh Papa. Bless this word. Que cette parole, Yahweh Papa, may this word puisse créer de fruits en nous, create fruits in us. Nous bénissons ton nom, Jéhovah. Bless dans your le name, nom Jehovah. In the name of Jesus. Amen. 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 Nous allons juste nous lever, nous allons clôturer ce service. We're just going to stand up to close the service. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. We thank the Lord for his word. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. We thank the Lord for his presence. Et pour tout le bien qu'il nous a fait ce matin. All the good he has done for us this afternoon. Que ce message puisse résonner dans notre cœur. May this message resonate in our hearts. Que ce message puisse nous révolter à pouvoir nous engager. May it motivate us to commit. Et à nous pousser en dehors de notre zone de confort. And to go outside our comfort zone. Seigneur, nous te remercions Lord, pour ta thank présence you for your presence this afternoon. Merci pour ton peuple qui est venu thank you for your écouter. People that are here to listen. Merci pour ton peuple qui t'écoute en ligne. Thank you for the people that are listening online. En se nous séparant cet après-midi, as Seigneur, we are moving forward, laisse que ta bénédiction nous accompagne. May your blessing accompany us. Laisse que la grâce nous accompagne. May your grace accompany us. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Bon dimanche. Have a happy Sunday. Les visiteurs, s'il vous plaît, allez dans la salle que Papa Kaba va vous indiquer. Merci.